Mise en jeu, territoire offensif pour les Huskies. Mise en jeu remportée par Verdon. Ça va à Cournoyer. Cournoyer va appuyer l'attaque. Ça mène à gauche. Cournoyer a de l'espace. Ton tourne le filet, revient devant. Toujours Cournoyer, on met de l'autre côté le but. Thomas Verdon qui marque 1-0 pour les Huskies. Et le jeune de 17 ans, Thomas Verdon, qui vient faire sauter le plafond de l'Arena Glencore. Mais quelle patience de capitaine Cournoyer. Un premier but dans cette série. Et les partisans sont en liesse ici. Quel jeu d'Édouard Cournoyer. Il a tout fait, Jean-Sébastien, là-dessus. Il a tiré les défenseurs sur lui, a contourné le filet avec beaucoup de vitesse. Ça a permis à Verdon du 10 derrière son filet qui va d'une petite passe derrière. Alors qu'il est, on va d'une belle mise en échec à nouveau là, en territoire section de Bonnefond. Ce sera dévié. Et le premier sera Huard. Huard tente de remettre devant. Là, c'est Buteau qui intercepte heureusement. Mais sa passe à lui est interceptée également. Tire dévié, le but! Oh, quel mauvais jeu. Je pense que c'est Gill qui a fait dévier. Est-ce que c'est Gill ou Huard? On a eu une confusion là, chez les Huskies et ça a été ce qui semblait pas du tout dangereux. Finalement, ça a dévié le tir de Raffano ou Gill, mais ça s'est passé très rapidement. Ça semble être Stéphane Huard, l'ancien des Moussets d'Halifax, du Phoenix de Sherbrooke aussi, qui au fait abouti avec les Cataractes de Shawinigan et semble avoir fait une légère déviation. Qui était seul, mais n'a pas été en mesure de saisir. Turcotte maintenant qui se bat bien, mais la rondelle va être interceptée par Ménard à la ligne bleue. Ménard prend son temps. Toujours Ménard qui va d'un tir, ça dévie devant et le but. Bonnefond qui a fait dévier ce tir de Ménard et qui a pris possession du retour et envoyé ça derrière le gardien de but. Couture et rapidement, ce match vient de changer de côté 2-1 pour les Cataractes. La troupe de Brad Yetman. Alexis Bonnefond qui était de l'édition championne de la saison dernière là-dessus. A partiellement bloqué le lancer, en a profité par la suite pour tirer immédiatement au filet de Couture. Victime d'un double échec là-dessus, Jean-Marc, tu regarderas la reprise. Turcotte s'est fait frapper et a rentré dans le gardien. Alors que le jeu se poursuit là ici, c'est les Cataractes qui sont à 5 contre 4 comme il y a une pénalité qui est à retardement. Là. On a beaucoup d'espace chez les Cataractes et on remet à Raffano Mazantua qui tire, ça dévie devant, le retour et le but! Félix Lacerte. Félix Lacerte qui donne les devants 3-1 aux Cataractes de Shawinigan. Ouais, le jeune joueur de 16 ans des Cataractes qui a profité d'un 5 contre 4, d'un court avantage numérique, là, alors que... du territoire, voilà qui est fait finalement par Étier. Étier s'amène en territoire offensif, prend un tir, ça rate le filet, ça revient devant. Finalement, Bonnefond reprend toujours possession du disque, remet à Beaulac à la ligne bleue. Beaulac tente un tir, ça dévie et c'est le but. Encore une fois, une déviation devant le filet là, de Bonnefond qui est passé. Et ça a passé, je crois, entre les jambières du gardien de but Couture. C'est un quatrième but pour les Cataractes de Shawinigan qui prennent les devants par 3. En deuxième période, là, une fois de plus, un lancer dévié. On a de la circulation devant le filet de Thomas Couture alors qu'on revoit le tir d'Alexis Beaulac là, qui a été dévié par Bonnefond qui passait devant le filet de Couture. Il y avait de la circulation avec Gill et Étienne notamment. Godette est mise en échec. On est en territoire offensif là, chez les Huskies. C'est Rousseau qui a possession du disque alors que Rousseau il va d'une mise en échec dans le coin de la patinoire. On est quatre joueurs, là, alors que Turcotte tente de revenir devant, il est tiré. Oh! C'est l'arrêt de la Fontaine, il y aura pénalité là-dessus au Cataract. On peut être en mesure d'en profiter, là, alors qu'on le voit ici, le Turcotte qui remet devant. Et le tir là, qui est repris par Allard derrière le filet, et finalement par Verdon. Là. Verdon au cercle droit est mis en échec par deux joueurs. Là. Il y a plusieurs joueurs derrière, finalement ça retourne à Gill à la ligne bleue. Gill passe à Burrush qui tire, c'est le but! Tristan Allard qui fait dévier le tir et c'est 4-2. Oui, quel jeu, un tic-tac-toe si vous voulez, là, la passe de Gill de l'autre côté à Burrush qui a fait un lancer frappé, dévié devant le filet par Tristan. Une chance de revenir dans le match. 4-2 maintenant en faveur des Cataractes de Shawinigan. On profite de cet avantage numérique. Là. Je me demande si le tir de Burrush aurait marqué tout ça, mais Allard a tout de même fait dévier là, derrière le gardien de but alors qu'on voit la reprise ici. Là. Bien placé derrière Allard là, pour prendre un tir rapidement. Alors que Denis va tenter de remporter la mise au jeu. C'est Allard qui l'a emporté, mais ça a permis à Shawinigan de reprendre alors que Cournoyer est allé de toute une mise en échec. Ça permet à l'attaque de se poursuivre. D'ailleurs, la rondelle plutôt maintenant au cercle gauche. Fait dévier devant. Attention! Oh, Rousseau qui a raté! Avait complètement déjoué le gardien de but de la Fontaine. Il ne lui restait qu'à tirer, mais il n'a pas été en mesure de le faire. Là. Turcotte maintenant qui envoie ça à Rousseau derrière le filet. Rousseau, sous la pression, attention, revient devant, c'est le but! Brunel qui marque! 4-3 le pointage, les Huskies sont de retour dans le match. Et Benjamin Brunel qui fait exactement ce qu'on souhaitait, il marque un but rapidement en troisième période et on l'a vu souvent ce soir du côté des Huskies.
chance en or, les Huskies qui réussissent à concrétiser. Et là, on a un match de hockey ce soir à Rouyn-Noranda, mesdames, messieurs. Absolument. Je suis heureux qu'on ait réussi à marquer chez les Huskies parce que quelle chance Rousseau avait manqué juste auparavant. Bien. Il y a eu une petite sueur, j'ai l'impression, chez quelques personnes, mais ça n'a pas duré longtemps. Je pense qu'on a voulu s'assurer que la rondelle était bel et bien. Côte d'auto à Godet, qui rate complètement son tir. Turcotte va lui remettre. La première pénalité est terminée, là. Godet maintenant à la ligne bleue. Godet va une passe à Cournoyer de l'autre côté. Cournoyer s'amène devant. Belle passe à Perron qui remet devant. Tire le but! Mais Perron qui marque! 4 à 4 égalise le pointage! Quel match, mesdames, messieurs! Et là, le toit qui vient de sauter ici à l'Arena Glencore. Mathis Perron qui marque entre les jambières de Rémi de la Foreillante. Un tir rapide du numéro 19 des Huskies qui se retrouve derrière le filet, là. Il y avait peu d'angle. Le seul endroit qu'il pouvait marquer, c'est entre les jambières, et c'est là où il l'a mis. Et un but qui va faire. Boud tente une passe derrière, ça atteint Huard. Huard sous la pression de Dubois, c'est Boud qui reprend. Boud tente de remettre devant, c'est raté, là, mais Ménard qui reprend. Ménard toujours, Ménard, petite passe derrière à Huard. Huard remet de l'autre côté, Boud est seul, le tir, s'arrête le filet, le but. On était complètement désorganisés là, chez les Huskies, alors que les cataractes de Shawinigan bourdonnaient dans notre territoire. Et on en parlait, Jean-Sébastien, la période qui était à l'avantage des Huskies, mais il n'a fallu qu'une bonne séquence aux Cataractes pour reprendre les... Un retour chanceux avec une cage béante, mais les Cataractes qui dominaient totalement, et on va se le dire, là, la couverture des Huskies là-dessus était très déficiente. Là. Le homme à homme n'était pas respecté. Là. On faisait complètement... Finalement, la rondelle qui va se retrouver sur le bâton de Courtois qui va envoyer ça en territoire des Huskies. Buteau qui échappe, Braillard s'amène seul. Bel arrêt de couture! Toujours 5 à 4 pour les Cataractes de Shawinigan, alors que Buteau a perdu le 10. Beaucoup de temps dans le coin de la patinoire, alors qu'on tente de remettre devant. Finalement, ça va se retrouver sur le bâton de Cournoyer à la ligne bleue. Cournoyer envoie de l'autre côté à Godet. Godet a possession du disque, alors que Couture s'en va au banc avec 13 secondes à faire à l'avantage numérique. On est 6 chez les Huskies. Zanon s'amène, Zanon tire le but! Zbil Zanon crée l'égalité, 5-5, il venait de sauter sur la patinoire, Jean-Sébastien. C'était le sixième joueur et il m'a fait sauter. Et Zbil Zanon qui arrivait de nulle part. Là. Et les Huskies qui créent l'égalité avec 1 minute 27 à faire, 10 secondes qu'il restait seulement à cet avantage numérique. Et là ici, on a vu des bandes passer proches d'exploser là, les partisans. Encore, là. Allard qui s'amène avec vitesse, remet à Burrush. Burrush à droite tente de remettre devant, c'est intercepté, c'est Huard qui va reprendre pour Shawinigan, mais il est mis en échec. Burrush reprend, le même beau jeu de Canonica qui perd toutefois le disque, alors reprend, Burrush tire, et il marque! Daniel Burrush, donné devant 6-5 au Husky! Incroyable! La pression que les Huskies ont mis là-dessus, Tristan Allard qui fait une passe à Daniel! Et il est toujours Jean-Sébastien! Quelle fin de match, et c'est pas fini, il reste 1 minute 4 secondes! Daniel Burrush qui est allé de son tir, a toujours évidemment son excellent tir directement dans le haut du filet alors qu'on a cafouillé quelque peu en défense là, chez les Cataractes. La Serte à Ménard qui tire. Beau jeu de Allard qui bloque, mais Ménard réussit à maintenir l'attaque. Ménard à la Serte. La Serte qui prend bien son temps, retourne à Ménard, fin de tir, toujours Ménard. Sous la pression, attention, on envoie la Serte qui retourne à Ménard, qui a de l'espace, tire, ça dévie le but. Encore une fois, c'est un tir qui a dévié devant le filet. C'est Denis qui marque 6-6. Incroyable. Quel match ici ce soir. Les Cataractes n'ont pas abandonné. Ils ont retiré leur gardien de but. Shawinigan, mauvaise impression. Et là, ça crée l'égalité 6-6. Là, quel match. Et c'est 3 buts, en fait, qui ont été déviés tout juste devant par les Cataractes de Shawinigan là, ce soir, qui clairement ont eu du succès avec cette stratégie. Oh, et là, on est au téléphone. Normalement, on... Est-ce qu'on va aller voir? Est-ce qu'il a dérangé Couture, en fait? Parce que Couture, c'est plein, mais je pense que non. Là. Je pense que Denis était en première ronde. Mise en jeu là, qui a lieu ici, ça a été remporté par Canonica. On est en territoire des Cataractes de Shawinigan. Burrush qui remet devant. Carr a de l'espace, il est seul! Tire! C'est bloqué par le gardien de but. Oh, Carr, il s'est amené seul alors que ça revient devant à nouveau. Quel arrêt de La Fontaine là-dessus. Là. Il a gardé son sang-froid. Central à Lacerte. Lacerte tente une passe de l'autre côté à Canonica qui entre en territoire offensif. Canonica passe de l'autre côté. Huard qui tente de déborder. Huard revient devant. A toujours la rondelle. Oh, alors que Couture est couché, on a toujours possession du disque. Là, on est sous où la rondelle, devant toujours. Couture tente de la reprendre, n'est pas en mesure. On, finalement, ça s'en va derrière le filet à Huard qui remet. Rafano Mazantua, là, qui remet derrière à Ménard qui a de l'espace. Ménard va prendre un tir, ça, c'est bloqué par Allard. Beau jeu, là. Alors, oh, quelle séquence pour les Cataractes pour débuter la période de prolongation.
Fontaine maintenant qui tente de déborder. Tire d'espace, tire, s'arrête le filet. Rondelle qui se retrouve derrière. On reprend la rondelle là, du côté des Cataractes de Shawinigan. C'est Braillard. Braillard qui tente de revenir à la ligne bleue. On voit ça à Denis. Denis derrière, remet devant. Attention, Ménard tire. Quel arrêt de Couture et on dégage. Oh, Couture qui a réalisé tout un arrêt là-dessus. Dégagement qui va être refusé. Ou est-ce qu'il retourne à Brunel? Brunel, petite passe à Turcotte à gauche. Turcotte toujours derrière le filet. Turcotte qui est mise en échec là-dessus. L'attaque qui se poursuit tout de même là, chez les Huskies, alors que Brunel et Houyer sont là. Brunel qui prend la rondelle. Brunel tire, c'est bloqué. Le retour et le but! Émeric Godette qui marque et donne la victoire aux Huskies de Rouyn-Noranda 7-6 en deuxième période de prolongation. Et le Rouyn-Norandien Émeric Godette qui vient clore le débat. Émeric Godette qui marque ce but-là. Et ici, le toit est en train de sauter, Jean-Marc. Incroyable. Et on rejoue dans 17 heures. Je tiens à vous le rappeler, là. Le repos sera court. Absolument. Allez vous reposer. Les joueurs, certainement, ce sera le message. Là, on fête pendant 30 minutes dans le vestiaire et on se prépare déjà pour le prochain match. On est en train de regarder la reprise là-dessus. Là. Je ne sais pas si la séquence où est-ce que Cournoyer avait sauvé la rondelle. Bon, je pense que c'est simplement pour la forme. Là. On voit toute l'équipe des Cataractes quitter le match. Là. Ouais, j'ai déjà vu une équipe revenir, Jean-Marc, quand même, alors que les officiels, eux, ne quittent pas le match. J'imagine que c'est beau. Là. Tout le monde festoie. Quelle victoire à domicile! Quelle victoire des Huskies! 7-6, le but vient d'être accordé. On a fait signe à Brad Yetman et Reggie Bois qui pouvaient rentrer au vestiaire. Les partisans sont vraiment en feu ici. Et quelle victoire, là, les Huskies qui auront tout donné. Ils la méritaient, cette rencontre-là. Jean-Marc, c'est eux qui ont été les meilleurs en période de prolongation, en première période et en deuxième période. Ça a été un début plus difficile, mais par la suite, ils étaient en contrôle. Et ça aura pris 49 lancers pour marquer.